tu? Ah! Ah! We are live. Nous sommes connected. So, this is Cyril. Cyril is very friendly. He does a video in French, so you don't know, you don't understand what he said. No, I don't understand. Because my public is from America, and yes. I am from nowhere. Okay. On va vous nettoyer un peu. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici? Du coup, ils sont tous en train de dormir, je vais avoir personne. Allô? On se réveille! Voilà. Alors, c'est un bon moment de choper le mur. Ah, vous êtes live! C'est ça. Voilà, il parle maintenant. Il adore ça. Sorry, if we lose the connection for a few seconds, I'm gonna post the links on my channels. So bear with me. What the heck? Cleanage de lens. Say hi to a cameraman extraordinaire, Theo File. Comment je dégage ça? Voilà. La vidéo la plus intéressante du monde. Le truc, c'est que je peux même pas demander aux gens ce qu'ils veulent voir, parce qu'il n'y a personne. Ils dorment tous. Oh my god. What the heck is that? What is that? It's like a Teenage Mutant Ninja Turtles on steroids. It's smaller. It's very small. Celui-là, tu la prends dans tous les sens, il est magique. Je veux faire une vidéo où tu incrustes des what the fuck. Ah oui, c'est une voiture électrique. C'est une voiture électrique des années 20. C'est un electric car from the 19. Je suis mauvais en maths, ça fait avant 1900 tout ça. Well, from 120 years ago, as it is written on it. C'est Porsche of the future. Ils ont choisi un très mauvais, l'illustration est dégueulasse. Dégueulasse illustration. Voilà. La voiture pourtant est fabuleuse. Attends deux secondes, il y a un compteur GGR. On dirait que c'est même pas vrai, c'est imprimé les trucs.
Je sais pas où j'ai vu sa tête à ce monsieur. Ah oui. J'ai mis écho plusieurs fois sur des commentaires. Je m'en suis jamais caché. Ouais, mais c'est pour ça que nous n'avons plus les moyens. Vous achetez ou vous vendez? Vous répondez pas surtout. C'est bien. C'est le présentateur de Turbo sur M6. C'est ça? Dominique Chapat. Tu viens de me mettre un vent magistral, mais parce que tu en parles en merde. Ça pointe, tu peux parler à personne parce que t'as plein de gens qui leur cassent les couilles en leur disant « Ah, j'aime beaucoup votre émission !» Bon, t'as des idées pour l'heure ? En même temps, c'est vrai que du coup, parce que pour faire pas comme tout le monde, quand je suis passé, j'ai dit « Ah, bah, je sais pas où j'ai mis sa tête !» Alors, ça, c'est très beau, mec. Ça a beau être récent, c'est sûrement la plus belle chose qu'Alpha a jamais faite. Très, très peu d'exemplaires. Non, mais surtout qu'en fait, j'ai l'impression de faire des plans larges de bagnole. Que c'est cher. Je vous en prie, allez-y. Son équipe, il shoot avec quoi du coup? Parce que là c'est M6. Ah, c'est quoi sur le Ronin là-bas? Il shoot avec des 5 pour la télé. Bravo, qu'est-ce qu'on se fait chier. Et encore, c'est peut-être... T'es sûr que c'est pas du I? Tu sais qu'il y a les mecs de TF1 qui étaient venus me voir à l'école. C'est vrai. Ah, il est connu ce monsieur. Très connu. Le passé de l'automobilisme en France, le futur de l'automobilisme en France. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Ouh. Oh. Alors, chez Ferrari, il n'y a plus rien en dessous de 300 000. Je suis passé de vue. Ah, t'as vu combien elle est celle-là? Dis le prix. All right. Give me your wild guess on the price of this one. Ça, c'est quoi? C'est quelque chose. It's going great, man. I'm promising. Before the end of this month, you're gonna have a video of the update of the progress on the RV, and I'm gonna go to Los Angeles again next week. So I'm gonna do some more stuff on the RV and try to make a really nice looking video about it for you guys. But for now, we're looking at classic cars in Paris. The RV is going great. The RV is actually almost finished inside. Le prix de ça, t'as dit combien? J'ai pas regardé. Non, mais dis un prix. Je sais pas, 150 000. Non, je t'ai dit qu'il n'y a rien dessus de 300 000. Bah, 400 000? Non, 7 millions. Pouah! $7 million, $7 million, €7, €7 to 9 million, which is between $9 to 10 million for this thing. It's a 1958 Ferrari. 5 millions, ça?
Mais c'est pas celle-là qui s'est partie à la route, hein? Non, c'est pas celle-là, parce que ah, ça, c'est celle-là, pas... c'est une nouvelle... Ça, c'est pas une Californie, hein, attention. C'est pour ça qu'elle ne vaut entre guillemets que 5 millions. C'est un... une 250 GT cabriolet. C'est pas la Californie. La Californie, pour moi, elle a un impact plus court. Pour personne, là, elle a rien de spécial. Puis l'intérieur, c'est ce que c'est parfait, c'est pas bon. Ah, c'est pas bon. Ah, ouais. It is ugly. For 7 million, I will take everything. T'as vu Dominique Chapat, il m'a un peu mis un gros vent. Genre un gros vent. Bah en fait, il était en train de parler avec des entre guillemets bouseux qui étaient en train de m'emmerder. Ouais. Et je suis passé à côté, je te dis, je suis sur ta petite part, je suis pas Il a entendu. Ouais. Et après il s'est lâché des pêches. Vous êtes venu pour acheter ou pour vendre? On n'a même pas calculé cette pièce. Par contre, il y avait François avec lui. Yeah. Et François Hollande, c'est super sympa lui. Ah bah lui je le connais par contre. Il arrive dans. Parce que lui aussi, il passe sur Turbo, des fois, hein? Non, lui, il passe sur Vintage Mécanique. Mais avant ça, il faisait quoi? Il a fait plein de trucs. Voilà, alors combien ça vaut? Parce que moi, j'avais le même intérieur. Ah, 120, 160. Arrête, tu vas pleurer. Mais ça n'a pas tant monté que ça, hein? Tiens, regarde, là, là. Ah! La mienne était en meilleur état que ça. Quoi? La mienne était en meilleur état que ça. T'en as vendu une comme ça? J'avais ça blanc, comme dans Deux Flics à Miami, avec l'intérieur rouge comme ça. Et les sièges étaient encore mieux. Ça, mec, ça envoyait le pâté. Tout le monde s'en foutait quand je l'avais parce qu'elle était plus à la mode et maintenant c'est devenu à la mode, mais complet. Je l'ai sorti qu'une fois dans Paris pour aller chercher des conneries avec Rachid. Bon, il veut. Allez, vous arrêtez de nous suivre, ça devient lourd. Hein. Vous pouvez arrêter de nous suivre, monsieur, derrière. Ça devient fatigant quand même. Hein. Bien, on lui jette un regard méprisant. Ouais, non, mais... Arrêtez de nous suivre. Ah, c'est bien fatigant, M6, tout ça. Là. The French TV is following us. We are so famous right now, thanks to the RV. The French TV, they want us on TV, so we trying to avoid them. Ferrari FXXXXXXXXX with the very subtle exhaust pipes, as you can see. Mec fait un travelling sur ses sorties d'échappement dégueulasses comme ça à l'arrière. Gros travelling genre. Blrrr. Échappement comme ça. Très très subtle les échappements. Ah oh, mais il peut arrêter de me suivre là. Ça commence à devenir vraiment fatiguant. Non mec, attends, je suis dans le reflet de la vitre. C'est pas grave mec. C'est... Elle est trop brillante. C'est pour Barcroft, c'est pas grave. Ah. Regardez, on marche aussi. FXXX. J'ai niqué ton plan encore. J'ai détruit ton plan. Caméra, on me. Ah, la caméra d'ailleurs, en parlant de caméra, elle est bien dégueulasse. Qu'est-ce que c'est beau. Oui. Mais vas-y mec, fais comme si t'étais là, fais genre je suis la star, vas-y, mets-toi là, genre on combat M6, tu te mets là, fais non, j'en étais là, on était là en main. Merde, j'avais pas vu qu'il était là, il entendait ce qu'on dit. Je pense que je vais vider ma batterie en moins de deux. This is probably my favorite road car on earth. Peugeot 205 Turbo 16. Oups, oups, oups. Hein? Ouais, je fais des bruitages pour le public. Oups. Non mais... Ouais, mais si, ils ont tous des badges là. Non, bah les... Ah bah l'amour, tiens, bah voilà. Bah on vous attendait, monsieur. Ouais. Tu vas lui casser les couilles, toi. Alors. Ah, ça c'est peut-être la seule qui a moins de 200 000. Ça c'est mal aimée celle-là. Hein. Ouais, mais bon, elle va finir par être aimée. Forcément, c'est quand fait tous les autres seront prochains. C'est une 456. C'est ça, parce que ça a... Non,
Mais comme toutes les autres sont très chères, les gens vont finir par acheter ça. Ouais, mais c'est affreusement laid, mais ça ressemble à rien, on dirait une Peugeot. Bon, là, par contre, c'est un... ils ont même fermé le capot sur ça. Oui, non, ça n'a rien de... C'est vraiment... un peu envie, quoi. Pourquoi ça... Pourquoi j'arrive pas à faire le point là-dessus? Je sais pas, c'est un iPhone. Eh, non, ça fait le point quand même, quand j'appuie. Ah, regarde, là, tout le monde vient comme des mouches, merde, hein. Et, voilà. Ah, je crois que j'ai tué ma batterie. Ah non. T'as plus de batterie? Ah non, ça a frisé. Oh, ces petits turbo custom, là. J'ai tellement envie de faire le code.